Je crois, sans en être d'ailleurs très sûr, qu'il y a une tradition d'apporter à cette société de philosophie le résultat de travaux déjà achevés, pour les proposer à votre examen et à votre critique. Malheureusement, ce que je vous apporte aujourd'hui est beaucoup trop mince, je le crains, pour mériter votre attention. C'est un projet que je voudrais vous soumettre, un essai d'analyse dont j'entrevois à peine encore les grandes lignes, mais il m'a semblé qu'en m'efforçant de les tracer devant vous, en vous demandant de les juger et de les rectifier, j'étais en bon névrosé à la recherche d'un double bénéfice. Donc c'est Dandy écrit 1969, Michel Foucault, qu'est-ce qu'un auteur ? Et je voudrais vous adresser une autre demande. C'est de ne pas m'en vouloir si, en vous écoutant tout à l'heure me poser des questions, j'éprouve encore et ici surtout l'absence d'une voix qui m'a été jusqu'ici indispensable. Vous comprendrez bien que tout à l'heure, c'est encore mon premier maître que je chercherai invinciblement à entendre. Après tout, de mon projet initial de travail, c'est à lui que j'avais d'abord parlé. À coup sûr, j'aurais eu grand besoin qu'il assiste à l'ébauche de celui-ci et qu'il m'aide une fois encore dans mes incertitudes. Mais après tout, puisque l'absence est le lieu premier du discours, acceptez, je vous prie, que ce soit à lui, en premier lieu, que je m'adresse ce soir. Le sujet que j'ai proposé, qu'est-ce qu'un auteur ? Il me faut évidemment le justifier un peu devant vous. Si j'ai choisi de traiter cette question peut-être un peu étrange, c'est d'abord que je voulais faire une critique de ce qu'il m'est arrivé autrefois d'écrire et revenir sur un certain nombre d'imprudences qu'il m'est arrivé de commettre. Dans les mots et les choses, j'avais tenté d'analyser des masses verbales, des sortes de nappes discursives qui n'étaient pas scandées par les unités habituelles du livre, de l'œuvre et de l'auteur. Je parlais en général de l'histoire naturelle ou de l'analyse des richesses ou de l'économie politique, mais non pas d'ouvrages ou d'écrivains. Pourtant, tout au long de ce texte, j'ai utilisé naïvement, c'est-à-dire sauvagement, des noms d'auteurs. J'ai parlé de Buffon, de Cuvier, de Ricardo, etc. Et j'ai laissé ces noms fonctionner dans une ambiguïté fort embarrassante. Si bien que deux sortes d'objections pouvaient être légitimement formulées et l'ont été en effet. D'un côté, on m'a dit, vous ne décrivez pas comme il faut Buffon, ni l'ensemble de l'œuvre de Buffon, et ce que vous dites sur Marx est dérisoirement insuffisant par rapport à la pensée de Marx. Ces objections étaient évidemment fondées, mais je ne pense pas qu'elles étaient tout à fait pertinentes par rapport à ce que je faisais. Car le problème pour moi n'était pas de décrire Buffon ou Marx, ni de restituer ce qu'ils avaient dit ou voulu dire, je cherchais simplement à trouver les règles selon lesquelles ils avaient formé un certain nombre de concepts ou d'ensembles théoriques qu'on peut rencontrer dans leurs textes. On a fait aussi une autre objection. Vous formez, m'a-t-on dit, des familles monstrueuses, vous rapprochez des noms aussi manifestement opposés que ceux de Buffon et de Linné. Vous mettez Cuvier à côté de Darwin, et cela contre le jeu le plus visible des parentés et des ressemblances naturelles. Là encore, je dirais que l'objection ne me semble pas convenir, car je n'ai jamais cherché à faire un tableau généalogique des individualités spirituelles. Je n'ai pas voulu constituer un daguerréotype intellectuel du savant ou du naturaliste du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Je n'ai voulu former aucune famille, ni sainte ni perverse.
J'ai cherché simplement ce qui était beaucoup plus modeste, les conditions de fonctionnement des pratiques discursives spécifiques. Alors me direz-vous, pourquoi avoir utilisé dans les mots et les choses des noms d'auteurs ? Il fallait ou bien n'en utiliser aucun, ou bien définir la manière dont vous vous en servez. Cette objection est, je crois, parfaitement justifiée. J'ai essayé d'en mesurer les implications et les conséquences d'un texte qui va paraître bientôt. J'essaie d'y donner statut à de grandes unités discursives comme celles qu'on appelle l'histoire naturelle ou l'économie politique. Je me suis demandé selon quelles méthodes, quels instruments on peut les repérer, les scander, les analyser et les décrire. Voilà le premier volet d'un travail entrepris il y a quelques années et qui est achevé maintenant. Mais une autre question se pose, celle de l'auteur. C'est de celle-là que je voudrais vous entretenir maintenant. Cette notion d'auteur constitue le moment fort de l'individualisation dans l'histoire des idées, des connaissances, des littératures, dans l'histoire de la philosophie aussi, et celle des sciences. Même aujourd'hui, quand on fait l'histoire d'un concept, ou d'un genre littéraire, ou d'un type de philosophie, je crois qu'on n'en considère pas moins de telles unités comme des scansions relativement faibles, secondes et superposées par rapport à l'unité première, solide et fondamentale, qui est celle de l'auteur et de l'œuvre. Je laisserai de côté, au moins pour l'exposé de ce soir, analyse historico-sociologique du personnage de l'auteur. Comment l'auteur s'est individualisé dans une culture comme la nôtre, quel statut on lui a donné, à partir de quel moment, par exemple, on s'est mis à faire des recherches d'authenticité et d'attribution, dans quel système de valorisation l'auteur a été pris, à quel moment on a commencé à raconter la vie non plus des héros mais des auteurs, comment s'est instaurée cette catégorie fondamentale de la critique l'homme et l'œuvre, tout cela mériterait à coup sûr d'être analysé. Je voudrais pour l'instant envisager le seul rapport du texte à l'auteur, la manière dont le texte pointe vers cette figure qui est extérieure et antérieure, en apparence du moins. Le thème dont je voudrais partir, j'en emprunte la formulation à Beckett. Qu'importe qui parle, quelqu'un a dit qu'importe qui parle. Indifférence, je crois qu'il faut reconnaître un des principes éthiques fondamentaux de l'écriture contemporaine. Je dis éthique parce que cette indifférence n'est pas tellement un trait caractérisant la manière dont on parle ou dont on écrit. Elle est plutôt une sorte de règle immanente, sans cesse reprise, jamais tout à fait appliquée. Un principe qui ne marque pas l'écriture comme résultat, mais la domine comme pratique. Cette règle est trop connue pour qu'il soit besoin d'analyser longtemps, qu'il suffit ici de la spécifier par deux de ses grands thèmes. On peut dire d'abord que l'écriture d'aujourd'hui s'est affranchie du thème d'expression, elle n'est référée qu'à elle-même et pourtant elle n'est pas prise dans la forme de l'intériorité. Elle s'identifie à sa propre extériorité déployée, ce qui veut dire qu'elle est un jeu de signes ordonnés, moins à son contenu signifié qu'à la nature même du signifiant. Mais aussi que cette régularité de l'écriture est toujours exprimée du côté de ses limites, elle est toujours en train de transgresser et d'inverser de cette régularité qu'elle accepte et dont elle joue. L'écriture se déploie comme un jeu qui va infailliblement au-delà de ses règles et passe ainsi au-dehors. Elle n'est référée qu'à elle-même et pourtant elle n'est pas prise dans la forme de l'intériorité. Elle s'identifie à sa propre extériorité déployée, ce qui veut dire qu'elle est un jeu de signes ordonnés, moins à son contenu signifié qu'à la nature même du signifiant. Mais aussi que cette régularité de l'écriture est toujours expérimentée du côté de ses limites.
Elle est toujours en train de transgresser et d'inverser cette régularité qu'elle accepte et dont elle joue. L'écriture se déploie comme un jeu qui va infailliblement au-delà de ses règles et passe ainsi au dehors. Dans l'écriture, il n'y va pas de la manifestation ou de l'exaltation du geste d'écrire. Il ne s'agit pas de l'épinglage d'un sujet dans un langage. Il est question de l'ouverture d'un espace où le sujet écrivant ne cesse d'apparaître. Le second thème est encore plus familier, c'est la parenté de l'écriture à la mort. Ce lien renverse un terme millénaire. Le récit des Babel et Gras qui est destiné à perpétuer l'immortalité du héros. Et si le héros acceptait de mourir jeune, c'était pour ce que sa vie, consacrée ainsi et magnifiée par la mort, passe à l'immortalité. Le récit rachetait cette mort acceptée. D'une autre façon, le récit arabe, je pense au mille et une nuits, avait pour motivation, pour thème et prétexte de ne pas mourir. On parlait, on racontait jusqu'au petit matin pour écarter la mort, pour repousser cette échéance qui devait fermer la bouche du narrateur. Le récit de Sherazade, c'est l'envers acharné du meurtre, c'est l'effort toutes les nuits pour arriver à maintenir la mort hors du cercle d'existence. Ce thème du récit ou de l'écriture fait pour conjurer la mort, notre culture l'a métamorphosée. Ah bon ? L'écriture est maintenant liée au sacrifice même de la vie. Effacement volontaire qui n'a pas à être représenté dans les livres, puisqu'il est accompli dans l'existence même de l'écrivain. L'œuvre qui avait le devoir d'apporter l'immortalité a reçu maintenant le droit de tuer l'être meurtrière de son auteur. Voyez Flaubert, Proust, Kafka. Il y a autre chose, ce rapport de l'écriture à la mort se manifeste aussi dans l'effacement des caractères individuels du sujet écrit. Quand on fait chicane qui s'établit entre lui et ce qu'il écrit, le sujet écrivant déroute tous les signes de son individualité particulière. La marque de l'écrivain n'est plus que la singularité de son absence. Il faut tenir le rôle du mort dans le jeu de l'écriture. Tout cela est connu. Il y a autant que la critique et la philosophie ont fait acte de cette disparition et de cette mort de l'auteur.